Tech. Heureux. J'ai retiré le. Je sais pas si t'es encore là, Zenix. J'ai retiré le mode. Le mode. Auto-host, hein, simplement. Même si c'est pas. Pas trop. Enfin, j'ai toujours mis, quoi. L'auto-host. J'aime pas si vous avez une alerte quand je host. Enfin, auto-host. Je crois pas. Alors, on a des petits trucs là. On va aller là. Il y a des petits trucs à chercher. Zenix. Comme je disais, j'ai retiré le l'auto-host. Peut-être que ça buguait. J'ai retiré l'auto-host. Je l'ai. Il était hein, l'auto-host, mais ça fait super longtemps. Depuis qu'il est mis, je l'avais mis hein, l'auto-host. Hein. Je me disais bon bah il y a peut-être des gens qui vont voir d'autres personnes que j'apprécie, tu vois. Des fois c'est cool. Je sais même pas si vous, quand vous avez mon auto-host, vous le voyez. Donc, tu as vu le lien? Non, j'ai pas vu de lien. Désolé. J'ai pas vu de lien. Tu m'as envoyé quoi comme lien? Sur Twitter. Ah, Twitter. Je vais regarder vite fait sur le portable. Pam 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 pam. Ah oui. C'est un bon vol. D'accord. Mais tu le branches sur ton PC, le. Tu le branches sur le. Sur ton PC. Bah non, t'es pas chez toi. T'es sur Steam. Tu es sur Steam, non? C'est pour avoir la VR en troisième personne sur sur les streams. Ah ouais, d'accord. Ouais, avec le fond vert derrière là. Ah, ça doit être sympa. Ça doit être sympa. Je voulais le faire en plus ce truc-là. D'accord. Mais j'ai pas encore le. Il me semble qu'ils ont enlevé la version sans souci, mais je suis en train de voir. D'accord. Mais avant qu'il y ait le problème de host, est-ce que tu t'as vu le lien que je t'ai le lien oui non la photo du truc que je t'ai passé là les chats c'est les chats en VR tu l'as vu non? Pour voir directement les gens en chat. J'ai deux ou trois serveurs FR, enfin tu vas dedans et tu vois des gens, ils parlent en français. Mais moi j'ai la flemme, enfin c'est pas une flemme, c'est que il y a du monde, tu les connais pas, et ils parlent et tu fais, tu sais pas s'il faut que tu parles, tu fais salut, tu dis coucou, moi je passe avec mon bonhomme. Et les gens ils continuent à parler et tout. Je sais pas de quoi parler dans le truc, c'est ça le truc, c'est qu'ils sont en train de parler, moi je sais pas de quoi parler en fait. J'ai parlé avec un Québécois et c'était cool. Bah, il était tout seul. Donc c'était cool, j'ai pu parler avec lui. Mais des fois, c'est un peu compliqué à comprendre. Des fois, ce qu'ils disent, il y a des mots. Pas compris des fois. Pas trop compris.
Attends, elle... En fait, j'ai pas entendu. En fait, je disais pour la photo que je t'ai envoyée sur le chat, le truc chat, tu sais, pour parler avec d'autres personnes qui ont l'Oculus, l'application qu'il faut télécharger pour ça. C'est VR chat, un truc comme ça. Je te l'ai envoyé en photo, en screen. C'est pour parler avec les gens. Et comme je disais, pour l'instant, j'ai rencontré. J'ai que deux ou trois, j'ai que deux ou trois serveurs français pour l'instant. Ça doit être bloqué depuis l'autre côté. Mais il est pas mal, hein. Ça peut être cool parce que quand je te dis, toi, j'y suis allé, j'étais tout seul. Et pour parler avec les gens, c'est pas top. Enfin, c'est pas ça, c'est que les gens, tu les connais pas, alors t'as pas envie de casser dans quoi ils parlaient, dans quoi ils étaient en train de parler, t'as pas envie de couper la parole, tu vois. Ou des fois, bon, c'est pas intéressant de quoi ils parlent. Mais des fois, c'est si tu, quand tu connais la personne, c'est cool, tu vois. Là, je connaissais personne. T'arrives, ouais, ça va, bien, ouais, tranquille, la forme, ouais, je suis bien, tranquille, ouais. Ça fait moyen quand même, tu vois. Oh, il y en a, ils sont bizarres. Il y en a, ils sont bizarres quand même. Quand ils parlent. Ouh! Bah, ils sont chauds. Ouh! Quand je dis c'est chaud, ils sont chauds. J'ai pas un décalage. Attends, est-ce que j'ai un décalage? Peut-être un décalage. Attends, je retire mon truc vite fait. Comme j'ai éteint mon truc, je le réactive. Des fois, il faut le réactiver le gâteau. Hop, un petit décalage. C'est bon. Je l'avais pas désactivé pendant en jouant. Alors, attends. Des fois, ils ont leur délire aussi. Oh, mais grave. Des fois, c'est leur délire. Ouh, ils sont loin. Hein. Ils sont loin leur... Et des fois, il y a un truc que je comprends pas, c'est que quand je vais leur sur Beat Saber, le multi, ouais, ça doit être sympa. Ça doit être sympa, toi, ouais. Carrément. Là, bientôt, je vais bientôt me le prendre, Walking Dead. Hein. J'ai vu, apparemment, il y a un mec. Peut-être qu'il l'a torché, hein, tu vois, il l'a run le truc, il l'a rush. Il a mis une vingtaine d'heures pour le finir. Le gars pour The Walking Dead. Les gars avec qui j'ai joué, ça m'est... Ah bah ouais. Et dans le truc du chat, t'as des jeux dedans. C'est des mecs qui créent le jeu. Style, tu sais, là, Among US, là. C'est le truc où faut que tu découvres le voleur ou l'assassin là. Bah, il y a des mecs qui ont fait le jeu. Et en fait, t'es le mec et faut qu'on sache si t'es toi, si c'est toi l'assassin. Un jeu dans le chat. Je l'ai pris. Ah, tu l'as pris? Je l'ai pas encore pris. Je vais pas tarder. Je vais pas tarder à le prendre. Non, le problème, c'est que si je le prends, vous allez plus me voir. Je le prends tout de suite, vous allez plus me voir. Là. Vous dire, et où Karyong là? Alors, on va aller là-bas. J'étais dans les catacombes.
avec un couteau dans chaque. Ah ouais? Ça doit être fun. Il est fun? Il doit être fun. Hein. Il doit être super fun. Demain, t'as un. Enfin, demain. Il y a un jeu que. Il y a des jeux gratuits sur PS4 qui sont sympas. PS5 et PS4 qui sont sympas. Il y en a deux, trois qui sont pas mal. Hein, qui vont être gratuits. Moi, je les prends. En plus, un jeu PS5 qui est à l'origine à 80€. Hein. Autant le prendre. Hein. Il est où le truc là? Attends. Il doit être dans le coin là. Et là-haut. C'est très cool. Mais j'attends d'être chez moi pour bien m'y mettre. Dans quoi? Dans Walking Dead? The Walking Dead? Bah, tu m'étonnes. Là, je pourrais le faire si je veux. Mais je me connais. Je fais d'abord mes jeux, tu vois, tranquillou, tout ça, là. En plus, les vacances, c'est bientôt, hein, à mes filles. Donc, le problème, c'est que pour jouer à ce genre de jeu, c'est chaud. À moins d'y jouer le soir, mais... Le soir, j'ai un peu du mal à rester réveillé, moi. La nuit, maintenant, je suis devenu le vieux papy, tu sais. Maintenant, 22h, je me couche. Enfin, 22h, je me couche. Non, je regarde les mangas One Piece, tout ça. Maintenant, en fait, je stream le matin. Enfin, là, j'ai pas trop streamé ce matin, mais... je stream plus le matin et l'après-midi, en fait, maintenant, en streaming. Terrible ça, va falloir s'occuper du goûter. Ouais, bah ouais. T'inquiète, ils ont toutes les deux une Switch. Alors, l'entrée. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, tu montes à l'arbre? Tu peux monter à l'arbre ou pas? Ouais. Et du coup, tu rentres quand chez toi? Avec le confinement là, ça commence à être tendu pour. Il y a les magasins. Et certains magasins, bah, ils ferment à 6h. Les gens, bah, les flics maintenant, ils cherchent même plus. Hein, ils mettent une amende. Même les gens qui vont travailler, j'espère pour eux, ils ont les papiers, mais même pour ceux qui ils rendent du taf, ils ont quand même une amende. Bon, après, il faut qu'il y ait 6 ans le papier, c'est bon. Mais sinon, 130€, 135€. Demain, tu rentres demain.
J'ai récupéré un arc avec un bug. J'ai vu ça, c'est un... l'arc que j'ai là, c'est avec un bug en fait, on l'a. Je sais pas si tu l'as fait toi, vu que tu l'avais rush le jeu. Ça, l'arc de Nodend. Il y a eu un bug et j'ai pu le prendre. Fallait taper sur la pierre, sauvegarder, recharger, et il arrivait d'un coup. Voilà. Apparemment c'est un des arcs les plus puissants du jeu. Oh, je me suis dit, oh, c'est un petit bug, vas-y, je le prends. En fait, plus t'es loin de tes bonhommes, en fait, c'est l'arc. Plus t'es loin et plus tu fais des dégâts. Voilà. Truc tout à fait normal. Plus t'es loin de ta cible et plus t'y fais mal. Plus ça le dit quand on va dessus. Augmentation d'attaque proportionnelle à l'éloignement de l'ennemi. Pub. J'ai de la pub moi. J'ai de la pub sur ma chaîne. Depuis quand j'ai de la pub sur ma chaîne? Mais bordel, c'est qu'est-ce qu'elle a ma chaîne aujourd'hui là? Oh, c'est quoi le délire? C'est de la pub de quoi en plus? Pas de pub moi! J'en veux pas de la pub! Je veux pas de pub! Je veux pas de pub moi! Ça dégage! Je ne veux pas de pub! C'est bon, elle est partie la pub, il n'y en a pas 50 non plus, non? Non, parce que sinon faut que j'aille voir dans les réglages. J'ai pas mis de pub normalement. C'est bon? C'était quoi la pub? Un jeu? C'est un méchant lui? Non, il est pas méchant le chien. Ah, c'est les méchants! Désolé le chien. J'ai eu Jean-Michel Touffaut. Jean-Michel, ah oui. Ah oui, Jean-Michel Touffaut. Vous savez que oui, je vois c'est quoi, c'est que c'est, attends, j'ai vu la pub avec ça. C'est pour dire que les jeux, je sais plus quoi, sont... Ah oui, tu peux pas faire ta vie parce que tu joues aux jeux vidéo et tout. Ouais, je vois ce que c'est. Mais à la fin, il dit... Je sais plus ce qu'il dit à la fin, il dit... Ou pas. Peut-être pas. Je sais plus ce qu'il dit à la fin. Non, sors. Voilà. Alors, il y a une porte qui est fermée. Je n'arrive pas à y aller. Mais là, il y a une armoire. Enfin, il y a un truc là que tu peux déplacer. Je me demande pourquoi elle est là. On va la déplacer pour voir. Attends, dans quel sens déjà? Peut-être comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, je pense qu'il faut casser ça. Et voilà! Magie!
par celle-là, là-bas. Tout là-bas. Ok, ça c'est bon. Là, il y a trois missions. Une mission là. Aïe. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce qu'il y a? M'a appelé pourtant. Une mission. What? Ok. Je repars, c'est ça? Je repars, hein, c'est pas grave. La dernière fois j'avais une mission, mais il y a un moment déjà, c'était pour un chien, le truc elle a bugué. Le chien il bougeait plus, enfin il faisait rien, tout au début. D'accord, ok. Et là, il y a le chien. Non, le chat. Quel joli chat. Bonjour, ami de Freya. Qui est-il? Ici, petit. Non, arrête-toi! Oh, crotte de bique. Il a encore filé. Crotte de bique. Les chats sont des esprits libres, hautains et solitaires, comme la déesse Freya. Je sais, merci. Mais depuis la mort du vieux Cotter, ce vieux chat de mer est redevenu sauvage. Il fait peur aux poules et il me griffe. Ah, les chats des navires portent chance. Tu veux de l'aide pour l'attraper? Oh oui, s'il te plaît. Je suis, hein. Allez, là-bas. Je te tiens, petit mangeur de souris. Oh, Nali n'a laissé personne le toucher depuis la mort du vieux Cotter. Mais il a l'air de t'aimer. Nali veut-il se joindre à mon équipage? Je crois qu'il ferait un bon pillard.
Tous les navires vikings ont besoin d'un chat porte-bonheur. Et pour s'occuper des rats. On dirait que j'ai recruté un autre pillard. Cool, j'ai un chat. J'ai un chat dans mon, sur, qui va venir dans mon bateau. Ok. Alors, compétences. Merde, passagère. Attends, comment initial. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, il y en a une. Et touche tout. Merci pour le follow. Normalement, il devrait y avoir une alerte. Et touche tout. Et touche tout. Touche tout. Touche tout. Merci pour le follow en tout cas. Normalement, une alerte. Mais il y a tout qui bug à moitié là. Les trucs qui bug sur Twitch là. Un petit peu embêtant. Bon, toi, tu veux toujours pas me parler, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux faire là, ici, là? Pourquoi veux pas parler? Allez, au boulot! Il touche tout! Ah, je crois savoir c'est qui, il touche tout. Je crois que ça doit être un ami IRL, je crois. Attends, pourquoi j'étais là alors que c'était là, fois que j'aille. Mais tout à l'heure, elle voulait pas. Pourquoi elle voulait pas? Alors, j'ai tapé la discute à. Elle m'a rien dit. Là, je suis mieux. Attends. Quel beau empennage. Oui. Des plumes. Fouillé. Comment oses-tu toucher ces flèches sacrées? Tu as profané le lieu d'un martyr. Halte, étrangère! Montre-moi ces flèches. Ce ne sont que des flèches. Ces flèches, pourquoi te passionnent-elles autant? Quand le père James a béni le regretté roi Edmund, il a béni ce trône sacré et tout ce qui s'y trouve. Sa bénédiction n'a pas marché. Cela dépend de l'opinion qu'on a du roi Edmund. Je me demande... J'ai étudié ces flèches, mais... Je n'ai jamais osé les toucher. Puisque tu les as de toute manière extraites, accepterais-tu de me les vendre? Oui, elle. Je veux bien, mais il est possible que les flèches du roi Edmund se soient mélangées aux miennes. J'ai l'œil d'une archiviste. Je saurai reconnaître le récent de l'ancien. L'histoire du royaume sera restaurée. Vends-moi toutes tes flèches. Ces flèches ont transpercé le bon saint Edmund. Il est de mon devoir d'étudier ces saintes reliques. Merci. Ok. Ça s'est fait. Oh, moi aussi, moi aussi, je me suis fait vider mes flèches. Je me suis dit, oh, allez, pourquoi pas y remonter, hein. Ça se retrouve. Hein. Mais c'est celle-là, j'arrive pas à comprendre celle qui est là-bas, là. Elle veut pas bouger. J'ai oublié quoi faire avec elle. C'est une pétiote, elle est sur un pont, là.
pas ce que j'ai fait. Faudra que je regarde sur mes quêtes si je l'ai pas. Elle. Elle est là. Attends, peut-être que je peux y parler maintenant. Tout à l'heure, ça voulait pas tout à l'heure. Non, elle veut toujours pas parler, elle. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle voit? C'est quoi elle veut que je tire, là? Qu'est-ce qu'elle veut? Ah, elle veut pas que je pêche? C'est un truc comme ça, je crois qu'elle veut que je pêche, en fait. Attends. Je vais pêcher. Attends. Je sais tout à fait comment pêcher. Alors, alors, on va aller là. Attends. Faut viser loin, non? L'eau gros de poisson. Est-ce que je crois que je récupère à elle? Non. Qu'est-ce qu'elle veut que je lui récupère à elle? Regagner Asgard. Bon. Je sais pas ce qu'elle veut, elle. Non, toujours pas. Bon bah, je te laisse. Hein. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse avec elle. Je reviendrai un jour. Hein. On va aller voir la mission.
J'ai bâti ma maison ici. Nous aussi, le clan de Rouette nous a attaqués. Oh, tu as de la chance de pouvoir parler d'une maison. La mienne a été rasée par les flammes il y a des années. Et par qui? Je vous en prie, écoutez-moi. Que l'on soit danois ou saxon, nous voulons tous la paix. Avec des terres à cultiver, une maison, sans craindre les méfaits de Roued. Jusqu'à ce qu'ils recommencent leurs attaques. Allons, ils vivent ici maintenant, comme nous. Notre avenir se bâtit ensemble, pas dos à dos. Mais ces danois qui nous attaquent, qu'est-ce que tu comptes faire? Lorsque je serai roi... Lorsque je serai roi, j'arrangerai tout cela. Tu seras roi quand moi je serai un troll volant. Je suis Eivor du clan du Grand Corbeau. Es-tu Oswald? Je le suis. Tu n'es pas là pour me tuer, n'est-ce pas? Je n'ai pas coutume de tuer les rois, mais j'aime bien les rencontrer. Alors mon nom est Oswald, tant que je serai en vie. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Oswald? Un clan mené par un dénommé Roued a attaqué ce matin. Cela fait un moment qu'il pille des fermes et des hameaux d'Est-Anglie, et il se montre toujours plus impudent. Et il sait que Halfdan possède ses terres? Sûrement, oui, mais il s'en moque. La fureur de ces hommes nous a frappés, nous aussi. Et je suis là pour faire en sorte qu'ils ne recommencent pas. J'ai récemment appris que tu incarnais tous les espoirs de cette contrée. Devenu roi, tu pourrais unir les Saxons et les Danois pacifiques. Un fardeau bien léger, n'est-ce pas? Que seul un roi est capable de porter. Accompagne-moi, Eivor. Nous discuterons de mon avenir sur le chemin du retour. Qu'est-ce qui requiert ton attention, Elmenham? Mon mariage. La fièvre règne à Elmenham en prévision de mon union avec Valdis, une Danoise, et cousine de Halfdan. Bonne nouvelle. Un bon mariage forge les alliances solides. Quel est le problème, alors? Le problème? Je n'ai pas reçu autorisation d'épouser Valdis. Ses frères ont une piètre opinion de moi. Doucement. Quelque chose ne me dit rien qui vaille. Attends, il y a de la fumée devant nous. C'est Bitly. Peut-être les mêmes hommes qui ont attaqué les murs de Norwich. Reste ici, je vais aller voir. Les gardes sont vigilants par ici. Sont rien à mes yeux, des mouches.
Merde. Moi, je suis bien raté. Il ne devrait plus y avoir d'autres chiens de ce genre. Oswald sera soulagé de l'apprendre. Le clan de Roued, personne n'a survécu. Que Dieu accueille leurs âmes. On m'attend chez moi. C'est peine perdue, mais je dois tenter une fois de plus d'impressionner la famille de ma promise. Montre-toi plus ferme que tu ne l'es maintenant, et ils en viendront à t'apprécier. Oui, pardon, je suis perturbé. Si tu te joignais à nous pour dîner, cela les adoucirait peut-être, songe-y. Mes portes te sont ouvertes. Je serais ravi de me joindre à vous. Dis-moi où et quand. Magnifique. Passe nous voir à Elmenham quand tu le pourras. C'est encore pire que ce que je craignais. Il a pris mon cheval ? Il a pris mon cheval. Et what? Merde. Mon cheval. Redonne-moi mon cheval, toi. Oh. C'est mon cheval que t'as. Non mais oh. Tu vas voir, tu n'auras pas mon cheval. J'ai trouvé l'application officielle Oculus. Ce bourg semble bien se porter. Cet Oswald a su se débrouiller. C'est le... celle-là avec le logo Oculus. C'est lequel logo? Je sais pas si... D'accord. Garde, une Danoise seule. Incroyable. Chut, sois poli, comme l'ordonne. Je regarde, scorn. D'accord. Et ça, c'est pour télécharger directement. C'est directement sur PC, ça, c'est ça? Dac, ok. Je la téléchargerai. J'ai demandé à Shadow. Parce que je vais passer directement avec eux. Pour le système. Si je veux streamer dessus en fait. Ils m'ont donné aussi un lien. Oh, je regarde. C'est en anglais. Moi, l'anglais. Voilà quoi.
Pour streamer avec le château. Ouais. Parce qu'il peut directement, détecter. En fait, j'ai juste à brancher un USB et en fait, ça va être considéré comme c'est considéré sur mon PC. En fait, Shadow, il va le détecter. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que j'avais fait pour mes manettes. C'est comme ça que j'avais fait pour, je sais plus quoi, pas la caméra, mais autre chose. J'avais détecté avec le Shadow. Dès que tu le branches en USB, il détecte. Même mon micro, il l'avait détecté. Bah, c'est comme ça que j'avais parlé avec. Phasmophobia. Le jeu de fantôme. Phasmophobia. Un jour, j'arriverai à le dire. Celui-là. Phasmophobia. Oswald, où est le dîner que tu m'as promis? Eivor, tu es là? Le dîner va être servi. Mais tu viens un peu trop tôt, j'en ai peur. Ma promise et sa famille ne sont pas encore prêts. Ah, y a pas d'heure! Qui est ta promise? Pour ce qui est de ta promise, Oswald, s'agit-il là d'un mariage d'amour ou de politique? Elle se nomme Valdis. Et les gens se marient rarement par amour ces temps-ci. C'est un arrangement au profit de l'Est Anglie. Elle appartient à une famille danoise disposant de nombreuses troupes. Ses frères, en revanche, ne pensent qu'à leurs intérêts. Et si tu allais faire un tour avant de revenir, le dîner sera à ton goût, je te le promets. Non, je veux rentrer. Oh, bah dites alors. Eh ben, je vais me mettre là. Et je vais méditer. Voilà, le mec, la nana juste devant. Je ne veux pas me promener, je veux méditer. Voilà. Voilà, c'est la nuit, j'ai faim. Seigneur et dames, c'est un jour de paix et de fraternité. Je vous ai mandé ici à Elmenham pour vous remercier et offrir ma générosité. Finr, notre intendant, nos invités d'honneur, Brotir et Brodeur, et ma ravissante promise, Valdis. Tu laboureras peut-être notre sœur puisqu'Alfdan l'ordonne, mais tu ne nous entraîneras pas dans ton lit. Brodeur, ce n'est pas... Le dernier roi saxon de mémoire était bien plus viril que toi, et nous avons perdu 150 hommes pour protéger son cul d'Estivo. Retire, si vous tenez un tel discours, je vous prie de partir. Je ne me laisserai pas insulter sous mon toit. C'est pour cela que tu es là? Pour soutenir ce saigne qui pue le crottin de bouc et de brebis? Pardon, tu as dit quelque chose? Je t'ennuie, ami des loups. Je suis là pour protéger mon clan. Si cela suppose d'aider ton roi à s'emparer du trône, qu'il en soit ainsi. Autant couronner le trône lui-même. Il est fait de moins de bois que celui-ci. Nous serions plus au calme si vous aviez les bourses de vous occuper du clan de Roued. Mais tout le monde peut voir que chacun de vous a les bourses vides. Tu as la langue bien pendue, ami. Au risque de te la faire arracher. Si de simples mots peuvent te blesser, imagine un peu ce que ma hache infligerait à ton caractère indolent. Ton caractère quoi? Arrêtez. Indolent. Ça suffit. Fare d'un traité de mou. De faible, de poids, de mollassons. Ah, ils sont deux là. Ce n'est pas ainsi que je deviens tes reines. Les deux me donnent un coup là, au temps là.
C'est bon? Vous êtes détendu là? Arrêtez ça! Tous! On s'est assez amusé pour ce soir! Si c'est tout ce que vous valez, pas étonnant que l'Est Anglie soit dans cet état. Tu es faible, berger. Ton ami du Nord n'y changera rien. Nous nous porterons mieux sans roi. Laquelle voix? Voilà, mon sort est réglé. Je crois que je préfère un rêve insensé. C'était à ces bagarres d'ivre. Le Cartman? Parce que j'adore Cartman. Cartman. Ses frères n'appuieront jamais mes prétentions. La danse ne fait que commencer, Oswald. Va te reposer. Tu auras besoin de force. Seras-tu là, demain? Nous avons beaucoup à discuter, je crois. Je vais me trouver un endroit où dormir. J'aurais reconnu la voix de Cartman. Si tu peux m'aider à arranger cela, tu disposeras d'une alliance solide avec l'Est Anglie. Ça, je peux te l'assurer. Oswald a l'air d'être parti pour la journée. Mais il faut que je... Ah, tu parles... Ah oui. Tu parlais de Cartman, de... De... Merde. Du dessin animé, là. Parce que moi, je parlais de Cartman, c'était... une autre personne, en fait. Normalement, c'est comme ça qu'il s'appelle, Cartman. Comme les soldats. Ah ouais, d'accord. Soonspark, voilà, c'est Soonspark. Cherchais le nom depuis tout à l'heure. Merde. Pas celui de la radio, non. J'ai cru que c'était lui. Je me disais, mais merde. Et lui, j'adore Cartman. Il passe en ce moment sur... c'est une émission que je regarde le vendredi. C'était... vendredi, tout est permis. Et il est dedans, des fois. Et j'adore Cartman. J'adore sa musique qu'il faisait à une époque. Je sais pas si je peux te la mettre, la musique... attends, je vais essayer de te la trouver parce que je l'ai sur mon Stream Deck et je l'ai. Ah, celle-là. C'est celle-là que j'ai aimé de lui en fait. Travailler, mais ton zizi ne veut pas. Tu voulais te reposer, mais ton zizi ne veut pas. Tu voulais aller danser, mais ton zizi ne veut pas. Tu voulais te distancer, Sébastien Patoche. Mais ton zizi ne veut pas. Couper, couper, décaler. Couper, couper, décaler. Zizi copter, zizi copter, zizi copter, zizi copter, zizi copter, zizi copter, garouche. Voilà, c'était celui-là que j'aimais bien en fait.
À chaque fois, quand il y avait une personne. Quand j'arrivais à faire un truc dans le stream, en fait, dans le jeu, ben, je mettais cette musique-là. Et les gens, les modos, ils le disaient. Ils disaient allez, hélicoptère, allez, hélicoptère. Et je la mettais, en fait, la musique. Et ça, c'était la bonne époque. Zut alors. Il est parti où? Ah, vous êtes par là-bas sûrement. Ne te déplace plus seul sur les routes. Ils sont aussi nombreux. Les gens m'ont sauté dessus. Ils traînaient près de la ferme de mon oncle. Heureusement qu'il y avait ses chiens. Les temps sont durs. Difficile. Ça ne ressemble pas à des calandres, hein. J'ai ma grande qui va pas tarder à rentrer là. Trouver et lui parler. Il est dans le coin. Oswald. Attends, j'ai utilisé mon. Ah, il devient mes yeux. D'être par là-bas. Ne te déplace plus seul sur les routes. Ils sont aussi nombreux que les roseaux du marais. Heureusement que j'ai mon oiseau. Parle. Je peux vous parler? Tu peux te pousser, s'il te plaît? Ouais. Ah, bonjour. Tu es une lefto. Tu travailles peut-être comme un possédé, mais tu n'es pas doué pour les festins. C'est un défaut chez un roi. Tu as raison. Je prends plaisir aux tâches simples. Mais ce n'est pas le genre d'aveu qu'on attend d'un roi, j'imagine. Ses frères t'ont insulté au dîner. Ton devoir est de réagir à ses injures. Ne laisse pas cette affaire s'envenimer. Oh, ce n'était qu'une petite querelle avec des loups de basse-cour. Je m'inquiète davantage des meuglements d'une vache que de leurs insultes. J'ai un mariage à préparer et un royaume à sauver. Alors les paroles de crétins... Ils ont bafoué ton hospitalité, Oswald. D'où je viens, c'est une injure sérieuse. Eh bien, mais c'est le Saxon crotté qui met ma patience à l'épreuve. Ah, intendant Finr. Je sais, j'ai manqué d'allure au dîner hier soir. Mais ne crains rien, ces Danois changeront d'avis. Tu prétends devenir roi, chien sans cœur et sans dents. Si Alfdan était là, frappant table et les bancs, elle va lui mettre une frappe dans la tête, elle. Finr, mon drengre, assomme le bâtard. Quelle voix, il aboie, c'est Finr le noir. Mais ce chien est un chiot, et cet homme est un couard. Ah non. Elle tapait, mais non. Je n'ai rien compris. Une joute verbale, Oswald. On se sert du rythme et des rimes pour rabaisser quelqu'un. Essaie, tente une rime. Aucun homme ne te suit. Défire de tuer le nier. Tu ne penses qu'à manger, à t'en faire péter les brais. Pas mal, pas mal. Il joue les braves, mais en réalité, c'est un gamin pleurnichard. Si jamais il se vante, attaque-toi à sa virilité. J'ai affronté l'océan, les mers, les bourrasques et les grains. Les vents que tu connais viennent de tes intestins.
viennent de ces... Tu parles de ces paix. Il n'a pas plus de cervelle qu'un sanglier. Montre à tout le monde qu'il est stupide. J'écraserai ton visage, ta carcasse au corbeau. Mais recrache l'hydromel. Il t'a... ramolli le cerveau. Le cerveau? Oui, le cerveau. Il est repoussant. Alors s'il se vante, réplique en te moquant de son apparence. Je viens des confins du Nord, notre saison l'hiver. Mais tu es moche et balourd. Au point de... faire peur à ta mère. Ah oui, c'est parfait ça. Faire peur à ta mère. Osval, mon garçon, tu n'es rien sans ton corbeau. Qu'il n'aille pas sur le trône. Pour cela, il n'est prêt. Continue, vas-y. Parle de sa taille cette fois. Tu te prétends danois, mais ton sang est faussé. Un nain vil et sournois, ta mère a engrossé. Bien envoyé. Avant de faire teinter les épées et couler le sang, nous humilions nos ennemis par des mots bien sentis. Tu as un don pour les rimes, je dois le reconnaître. Mais une langue bien pendue ne peut rien contre une hache. Cela reste à voir, Finn. Je te défie un Holmgang. Tu n'es pas sérieux, Oswald. Un combat qui règle les litiges, non? Un Holmgang. Un combat jusqu'à la mort. Oui. Mieux vaut discuter, alors. Il est trop tard. Le défi a été lancé. Mais un combat contre Finn ne prouverait rien. C'est moi que tu affronteras. Attends, c'est... Ceci dit... mieux vaut qu'on ne me voie pas tuer un Saxon dans les rues d'Elmenham. Il y a un joli petit îlot en aval, près de Siege. L'eau aura vite fait de nettoyer le sang. Prépare le carré. Nous te retrouverons là-bas. J'espère que tu es prêt. Ma foi, je ne sais pas. Laisse-moi le temps de préparer mon esprit. Ne nous fais pas attendre longtemps. Ce serait indigne d'un roi. C'est juste là-bas. Ok. Bon, bah moi, je vais attendre que ma fille rentre. Sur ce, je reviendrai un petit peu... Je vais revenir un petit peu plus tard. Je vais voir. Je sais pas sur quoi je vais être. Peut-être sur PS5. Ou... je vais voir. Sur ce, Zenix, je te dis à peut-être à tout à l'heure. Je te souhaite une bonne après-midi. Et à la prochaine. Allez, tchuss.